La cinquième saison de MAPR sur M6 a été pauvre en histoire d'amour qui dure, mais elle a eu le mérite de faire découvrir aux téléspectateurs des candidats à forte personnalité auxquels ils se sont attachés. Parmi eux évidemment Laure et Mathieu, qui seront bientôt parents, mais aussi la forte angle Cécile ou Yannick et Mélina, les amoureux qui ont défusionné aussi vite qu'ils avaient fusionné. Pour guérir de la déconvenue, Mélina a fait un choix radical, celui de s'éloigner de Paris et de commencer une nouvelle vie excitante à souhait dans le sud. Mais la jolie brune a été stoppée dans son élan par le virus de la Covid-19. À peine arrivée, aussitôt attaquée. Bye bye les soirées, bonjour la fièvre et les maux de tête, avait-elle expliqué dans sa story du 31 juillet, je vous donne des nouvelles rapidement. Je suis éclatée. Très très fatiguée, je suis positive au Covid, c'est arrivé d'un seul coup. Virgule tout allait très bien et d'un seul coup, j'ai eu très mal à la tête. Par précaution. J'ai préféré aller me faire tester, et je suis ressortie positive et j'en étais quasiment sûre. En ce mercredi 4 août, l'ex-femme de Yannick a donné de ses nouvelles. Ses fans l'ont découverte sur son lit faisant des galipettes. Un large sourire barrant son visage, un cliché qui donnait à penser que le plus dur était passé. Mais en réalité, révèle Mélina en légende, le cliché est antérieur à sa contamination au virus, moi. Mon smile et ma bonne humeur avant d'être sonné par le Covid, peut-on lire. Vivement que je retrouve ma liberté et mon énergie, que je continue d'explorer le sud. A-t-elle ajouté. De nombreux abonnés ont alors apporté leur soutien à la beauté bouclée. Positive attitude, tiens bon, courage à toi, j'espère que tu vas vite te rétablir. Ont-ils assuré? C'est tout le mal qu'on lui souhaite.